Vince. Oh ta gueule Saïd. Oh quoi ta gueule Saïd, comment tu me parles enculé, parle-moi bien, je vais t'encore plus te mettre des gifles dans ta gueule. Vas-y, bouge de là, tu pues de la gueule. Eh hey, tu... Ah tu veux flamber dès le matin? Allez vas-y, 1, 2, 3. T'as perdu. Ouais, ta soeur bâtard. Eh hey, comment tu parles de ma soeur toi, qu'est-ce que je t'ai déjà dit à propos de ma soeur? Putain arrête, ta soeur elle souche des ch'trouves, casse-toi. Pauvre juif, va aller vas-y. Juif en carton et tu viens flamber avec moi. Hein? J'ai vu une vache. T'as vu une quoi? Une vache. Bon, il est où le Toshi là? Ah, la boîte. Hier soir, pendant les émeutes, à un moment, je cours, je passe derrière une tour, d'après le coin, paf, je tombe sur une vache. Ah ouais? Vas-y, vas-y, arrête de fumer, toi, cette chose, ça te fait vraiment du mal. Ça y dégage de mon lit où j'ai même que vous fumez de la drogue là. Vas-y, dis-lui, après je t'égorge, et puis après je t'attrape pas les pieds et je te pompe pour que tu t'étouffes avec ton sang. Mamie! On commence comme ça et on finit par aller à la synagogue. Maman, dis quoi? C'est à moi qui voulais les voir. Mais toi, papa, à la synagogue, non plus. Si tout le monde qui part au courant à chaque discussion, ça finira par trouver le débat d'âme. Alors moi, j'irai plus dans la même direction, mamie. C'est à moi qui parle. Voilà. Où ça va que tu parles comme ça? C'est le regroupement que tu as bien joué. Misschien kun je de sfeer van Brussel hier nog treffen. Kun je zoeken, ja. Je weet me nooit. Maakt helemaal niks uit. En nu is het groot probleem om het hotel te vinden. Misschien kan je het in jouw vizier krijgen. Okay. Hotel van Dom. Het zal ergens hier moeten zijn. Shit. Hotel President. Jups, hebben we het? Kijk eens. Here we are. En daar staan ze.
crois pas, putain. Mais vite, mais comment ils ont fait pour faire entrer là? Mais comment ils ont fait pour faire entrer la voiture? Y'a pas de porte assez grande. Eh, Saïd, Saïd, démarre. Sans déconner, il est trop vénère, dis-moi là, tu vois? Tu m'étonnes, il est super vénère, ça fait au moins 2 ans qu'il se bat pour avoir la salle. C'est pas le mien celui-là. Non, pas sur le joint, ça y est. Oh, tu fumais plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, tu cartonnes, cousin. De toute façon, je savais qu'elle allait partir en fumée un beau jour. Alors pourquoi tu t'es cassé le cul pour l'obtenir? Parce qu'il pensait que ça valait la peine, tout le bite. Et c'est toi la bite. C'est qui a participé? Je veux même pas le savoir. Eh hey, mais Hubert, comment ils ont fait pour faire rentrer la voiture? Je comprends pas, il y a pas de porte assez grande. Oh, vite! On était devant eux, tu vois. On était là, je te jure, on les traitait, tu vois, on leur crachait dessus et tout. Les cœurs, ils bougeaient pas, je te jure, ils bougeaient pas, quoi. Tu vois, c'est reculé. J'ai envie de dire, papa. Tu veux passer son permis là? Non, Farida, c'est pour aller au marché là. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Bon, en tout cas, toi, pour résumer, ça m'a quand même jamais dû être là, les comme surtout toi, Hubert, en vérité, c'est trop puissant, je te jure. Ouais. On l'a traîné dans la gueule, passé 48 heures au poste, à se manger des grosses tartes dans ta gueule, et il rentre à la maison pour te préparer les dents. Je te dis franchement, je vois pas le chiffre, cousin. Pourquoi tu me parles, c'était là? Non,
Bordel, c'est pas une caméra. Et moi, tout ce que je sais, c'est que je peux pas plus vite que les balles. Le juge me dit alors, genre, ou alors un mois ferme et 2 mois de sursis, ou alors sinon tu sais, les trucs pour la mairie là, tu vois. Le truc d'intérêt général là, c'est de la demeure grave ça. Ouais, t'en as fait toi? Non, moi non plus, ça va niquer sa mère. Déjà, je leur fais du placard. Qu'est-ce que tu vas faire du placard? Qu'est-ce que tu vas faire du placard toi? Ça te voit pas, on va t'en faire, il me pique une merguez. Pas vrai, ouais, tu mens. Regarde-le, il a dans la bouche. Tu mens, c'est bon. Tu mens, ton épouse Pinocchio, tu mens. Eh, ça y est, tu vas ton nez, il va s'écraser, ça y est. We can be as funky as we want to be. We were here before you felt the funk. We will be here. Dans la fatale qu'on a vu ensemble, leur fatale, c'était un Glock 9 mm. Hein? À quoi? Mais non, Buffon, un Glock 9 mm. Vous connaissez rien, Ogan? Vous parlez de quoi? Mais pourquoi tu sors ton camion là sur la route? Ça c'était pas rien. Vous parlez de quoi, Ogan? Eh, vous parlez de quoi? Oh, vous parlez de quoi là? Ah, c'est pas rien, un keuf qui a perdu son calibre dans la cité cette nuit, vous êtes pas au courant? Ah ouais, c'est pas incroyable comme histoire ça. Ouais. Franchement, le keuf qui a perdu le flingue, je le connais pas, hein. Je sais pas c'est qui. Mais le mec qui a trouvé le flingue, j'aimerais bien savoir c'est qui. Oh. Non. Je vais dormir, je vais bouffer, je vais pousser, je vais renverser ma. C'est bon, de toute façon, si je suis le dernier pas en avoir fait, tout ça j'en aurais fait, voilà. Prendre un mois de placard pour voler à la tire, tu crois que c'est glorieux? Ouais, d'accord, c'est pas ton niveau. Quoi, de quel niveau tu parles? J'ai jamais fait de placard de ma vie, moi. Toi, t'es jamais fait goler. Mais non, gars, je me suis arrêté à temps. Viens voir, viens voir qui c'est qui vient nous rendre visite. Viens voir. Venez voir. Elle-mère. Nique sa mère, oh merde, fils de pute. Oh là, allez, on se calme. Allez, fais la musique. Allez, on se calme. Et donc, si c'est le chef ici, c'est toi, Nordi? Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, là? Vous parliez à Euro Disney? Je sais bien que vous ne pouvez pas monter sur les toits. Alors, il faut descendre. Ça va, là, on fait rien de mal. Ça n'est pas de faire rien ou de penser. De toute façon, il faut descendre, tout. Mais ça va, nous, on est cool ici, nous. Il faut descendre. Hein. Et là, mais c'est quoi? Oh, hé, Notre-Dame, là, c'est quoi, là? C'est la seule phrase qu'on t'a appris à l'étable ou quoi? Arrêtez! Notre-Dame, Notre-Dame! Ça va, silence! Oh. Et le prochain qui commence. De toute façon, c'est pas la peine de discuter! Okay. Putain, le ouange! Vous pouvez pas rester ici! Oh, alors maintenant, vous prenez vos petites affaires, vos petits fauteuils et vos petites merguez, et vous laissez, on descend tous dans la joie et la bonne humeur. D'accord, brigadier? C'est bon. Vas-y, tu vas t'y prendre comment pour nous faire des descendre? Tu vas utiliser tes chiens ou tu vas le faire tout seul aller dans ton petit costard? Tu vas faire l'autre boulot, d'accord? C'est bon! Ma gueule! Toi déjà, tu me parles pas comme ça, ok? Je te connais pas. Et vous tirez, maman. C'est on bon. On dirait un coq. Boum! Ta mère a pas de la grande. Allez, c'est bon. Ça suffit, bordel, maintenant. Ça y est, c'est bon. Ceux qui veulent rester, restent. Moi, je reste. Toi, tu descends. Vas-y, Nordi, arrête, laisse-moi rester, putain. Tu dis quoi? Alors, qu'est-ce que tu fais? Je descends. Ah, vite, venez. Faut descendre. Putain, vous êtes trop loin avec vous, on peut jamais délirer. C'est relou, ça, la police. Mais non, faut descendre. Faut descendre, il a dit, faut descendre.
s'est mis à dans les sex shops super excitants. Comment ça s'appelle, Vin, ce truc-là? Quoi, genre un string et tout, là? Un quoi? Un string, abruti. Ouais, enfin, bref. La meuf, sur la même heure, mais je l'ai niqué, mais d'une force. Et c'était grave, elle était dans la chambre. Quoi? Elle était dans la chambre, elle leur demandait grave. Grave, elle leur demandait. Même le mec à côté, il a frappé dans la porte tellement. On faisait du bordel. Grave, ouais. C'était grave mortel. C'est le vent, là, tu l'as bien niqué, le vent. Quoi? Le vent? Tu la connais, la meuf? Ouais, je la connais, la meuf. Elle est la meuf. Vas-y, arrête tes conneries, vas-y, arrête tes conneries. Bonjour, messieurs, c'est pour la télé. C'est quoi ça? Est-ce que vous avez participé aux émeutes cette nuit? Est-ce que vous avez cassé quelque chose? Eh, madame, on ressemble à des voyous pour vous ou quoi? Ah non, j'ai jamais dit. Ah ouais, alors on ressemble à quoi pour vous, madame? Ah mais rien. Pourquoi vous descendez pas de la voiture là? On n'est pas à toirer ici. Écoutez, on a du boulot, on est en train. Ah ouais, ouais, vous avez beaucoup de boulot comme quoi par exemple quoi? Trouver un truc bien baveux histoire de foutre la merde, histoire de faire un scoop. Vas-y, arrête de filmer. Mais pour qui tu te poil, venir t'es pété dans mon quartier. Tu veux ça, vas-y, bouge là. Qu'est-ce que tu filmes, toi, fils de pute? Qu'est-ce que tu filmes, fils de pute? Tu viens nous embrouiller, tu sais de pute. Pas à toirer là. Putain, qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui, ces bâtards? Je te jure, qu'est-ce que c'est bêta, c'est un. C'est quoi, Touareg? C'est un zoo, là, qu'on visite en voiture. Touareg, mon cul, ouais. Ouvrez-nous la porte. C'est encore venu, fais-moi chier. Ouais, vas-y, vas-y, parle français, on a encore tout dans le cas. Non, attends, j'ai pas le temps de vous. Débeille-toi, il est une heure, mais je me dis que c'est pas dormi, arrête, non, non, tout se passe, bordel. Tout est bien, je suis sur la tête, on dirait un bourgeon. Non, faites chier, les mecs, j'ai ça, mais merde. On a vu mettre ton chapeau ou quoi là? Eh, Darty, c'est quoi cette télé? Vincent, fais gaffe, t'as fait chier. C'est quoi ça? C'est quoi? Tu devais pêcher une nouvelle télé, c'est quoi ça? C'est de la de merde. Elle est trop grosse à sortir des stands. Eh, Darty, mais je suis passé hier pour mes thunes là, t'étais où là? J'ai pas eu tes thunes, je sais pas moi qui t'ai thunes. Quoi? T'as pas été pas au courant de ce qui s'est passé ou quoi? Hein? Va voir si t'as des petits copains là, pendant que vous étiez dehors. Va voir un peu. J'ai pas ton argent, c'est Astérix qui a ton argent. Vas-y, laisse pas demander. Vas-y, crie pas, tu veux. Vous êtes content, non? Bien, vous êtes capté, ça sera dans la cité. Hein? J'espère que le mec qui m'a connu dessus, hein. Vous les mettre plus tard, c'est une fois du shampoing. De la gueule et tout, mais en fait ils ont rien préparé, ils le filment comme ça en train de chier dans son falzar à attendre l'embrouille, tu vois. Alors à un moment le mec on le voit, mais c'est bon putain, arrête Saïd, c'est pas moi. Oh bon alors c'est qui? Putain, alors tu vois un mec, alors à un moment tu vois on le voit, il transpire sa race et tout, il fait semblant d'être cool, mais à chaque fois qu'il y a le serveur qui passe il se prépare à n'importe quoi.
Tu vois, moi, alors à un moment, il y a un mec qui se lève, il se rapproche de lui et tout pour lui demander un autographe. Et le mec connaît, il croit que c'est ça l'embrouille. Putain, il se met à partir en couille, à délirer sur l'autre mec. Le mec à l'autographe, il comprend pas ce qui se passe, il commence à se vénère et tout, il commence à se péter, ils sont battus et tout. Ah non, c'était trop clean. Tu sais, c'est les mecs de la caméra cachée qui les ont séparés. Ah, il y avait de la baston, c'était trop clean. C'était cool. Bon, voilà, c'est fini quoi. C'était qui le mec connu? Ah, je sais plus, mais il était connu. Je me rappelle pas. Ah, ça pue l'embrouille, ça. Voilà, à plus. Jean, c'est un plat qui se mange froid. Non, je rigole. C'est le frère d'Abdel. Ils ont un fusil à pompe. C'est la fête. Vous voulez pas qu'on passe voir Abdel à l'hôpital? J'ai un truc à vous montrer avant. En vérité, putain. Hubert Temas. Il est beau, sa mère. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vas-y, arrête. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vas-y, on verra si Abdel meurt. Vas-y, à mon tour. Là. Attends, tu veux buter un keuf? Quoi, tu connais un autre moyen, toi, pour se faire respecter? Et tu crois qu'aligner un Schmitt, ça va ramener le respect? Le respect, je sais pas, mais en tout cas, ça rétablira la balance. Si t'as besoin d'un caillou, t'avais qu'à me le demander. C'est pas pareil, celui-là. Ah, parce que tu te crois en mission? Quoi, qu'est-ce que tu me parles de mission, là? Ça va, quoi, c'est moi qui les vétrouille, c'est tout, on prend pas la tête. Mais ça va lui faire du bien, Abdel. Abdel, je sais pas, mais à nous, ouais. Tu péflant, là. Ah, t'es trop une baltringue. Je me barre en couille, grave, Vince. Et alors, je fais ce que j'ai à faire, fais ce que t'as à faire, c'est tout. Je veux pas d'histoire. T'inquiète pas, t'as pas le caillou, tu casses-toi, toi. En tout cas, un truc comme ça, t'es trop le boss dans la cité. Hey Hubert, attends-moi là. Bon, ça va, t'as pas me faire un caca nerveux là-haut?
excusez-moi les gars, vous pouvez pas rentrer là. Oh, vas-y, laisse tout passer, on vient voir Abdel. Non, non, mais je comprends, mais je suis désolé, j'ai des ordres. On vient pas faire d'histoire, juste deux minutes, ouais, après on repart. Mais de toutes les façons, les médecins vous laisseront pas le voir, il est dans le coma, je suis désolé. Ça va, puisqu'on vous dit qu'on est des amis, qu'on vient pas foutre la merde. Je peux pas vous laisser rentrer, ok, je me ferai virer. Vas-y, obéis à tes chefs, t'as que ça à foutre là. S'il vous plaît, commencez pas sur ce registre. Il y a la famille présente. Essayez de respecter leur tranquillité, s'il vous plaît. Et vous êtes sûr que vous empêchez les bonnes personnes d'entrer? Vous pouvez pas rester là, s'il vous plaît. Restez pas là, s'il vous plaît. Restez pas là, s'il vous plaît. Faites pas d'histoire. Je bouge d'où là? Tu veux que je veux faire bouger toi? Calme-toi. Vas-y, sors ton flingue de merde là. Vas-y, je t'en flingue bouffon là. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, calmez-vous. Arrêtez. On vient voir quelqu'un, on connaît nous aussi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tiens, bouge pas d'ici tant qu'on n'a pas vu Abdel. Viens, dégage, rapide, sinon moi je t'en embarque. Ta gueule, toi! Dégagez! Scandale, j'ai été contraint d'embarquer le chef. Il a rien fait. J'ai embarqué le chef. Saïd le chef. Moi, K. Brigade 14, c'est notre service par balle de véhicule. Prenez. Vous dites à votre chef de brigade de prendre contact avec la salle au code 33. Vous avez reçu. Tout le bordel que vous avez foutu, tu insistes encore? Vous insistez pour rentrer comme ça dans l'hôpital? Ils ont simplement fait leur boulot, les gars, c'est tout. Arrête quoi, fais leur boulot quoi? Bah ferme ta gueule, connard, mais tu vas fermer ta gueule une fois pour toutes ou quoi, merde? Toi, tu fermes ta gueule, toi, tu fermes. Tu parles correctement, t'as bien compris? Toi, tu me parles correctement, toi, tu me parles correctement. Tais-toi une fois pour toutes, je te dis merde! Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi. Toi, tu connais quoi, toi? Arrête tes conneries, espèce d'imbécile. Ouais, tu me traites pas. Bah tu me parles pas comme ça, d'accord? Les connards qui ont tabassé Abdel, ils vont être condamnés. Tu peux me faire confiance? Allez, tu rêves là, allez. Les autres là-haut, ils sont là. Ils sont là simplement pour protéger Abdel et sa famille. Putain. Chaque fois, tu ramènes ta merde, là. C'est d'imbécile, va. Tu mélanges tout. Les flics qui sont là-haut sont là pour protéger Abdel et sa famille, c'est tout. La majorité des flics dans la rue sont pas là pour vous taper, ils sont là pour vous protéger. Ah ouais, et qui nous protège de vous? On les y reprenne plus, hein. Bonne réplique, t'aurais dû faire du cinéma. Surveille ton langage, toi. Surveille ta mère toi-même, connard. Allez, on y va. Écoute-moi, la prochaine fois que tu fais passer pour un con dans mes collèges, je vais transférer ton cul d'arabe au commissariat central jusqu'à ce que ton frère vienne te chercher, tu m'as bien compris, hein. Je t'ai rien demandé, oui. Mais je l'ai pas fait pour toi, mais pour ton frère, imbécile. J'ai pas envie que tu te découpes en morceaux dans une cage. Thank you.
Pour la salle de boxe. Tu vois, je peux te pistonner pour avoir d'autres subventions. Je suis sûr de peux obtenir nos salles de gym. Le fais plus, ça. Putain, regarde. Plus dans des sacs, ils ont envie de cogner. Mais je sais plus quoi faire, moi. Il y a quelques années, j'avais encore un dialogue possible avec eux, mais plus maintenant. Encore, moi, ça va, ils me connaissent depuis longtemps. Mais t'imagines, un jeune flic qui débute, là, plein de bonne volonté, il tient pas plus d'un mois. Il y a un arabe dans le commissariat, il tient pas plus d'une heure. Bon, allez, il faut que j'y aille. Essaye de garder la tête froide, d'accord? Ouais, c'est ça. On va essayer. Des petites balles quand même. Tu m'adresses plus la parole, tu m'as bien compris. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Toi, tu lui sers la main, toi. Et alors? Je lui sers la main, elle a toujours été réglo avec moi. Le gars, arrête de réglo, là, c'est un schmitt, tu lui sers pas la main, voilà. Et alors, tout. Et alors, vas-y, tire-lui une balle, toi, si tu veux. Moi, tant qu'il est vivant, je lui sers la main. Toi, t'es relou avec ces conneries, là. Et toi, t'es inconscient, putain, t'es pas quoi, t'inquiète pas pour moi. J'avais, putain, j'avais, la manière. T'étais trop bizarre à l'hôpital, vas-y, faut voir. Arrête, vas-y, reste tranquille. Vas-y, fais voir, arrête, si tu veux. Vas-y, fais voir. Tu nous as même pas prévenu. Quoi? Je croyais que tu voulais pas l'entendre parler, toi. Mais parce que je te croyais pas aussi teubé pour le garder sur toi. Mais ça va, je suis un grand garçon, t'arrêtes de me faire la morale, toi, un peu, ou quoi? Je vais pas te faire la morale, c'est quoi? Je vais te... Vas-y, arrête, putain, arrête. Pourquoi tu joues les chauds? Parce que t'as un clic sur toi. Mais je vais te piquer, moi, putain. Vas-y, tu fais quoi, toi? Arrête, tu perds, putain. Vas-y, venez, on va manger un sandwich, je sais que tu fais, là. Ferme ta gueule, toi. C'est ça, casse-toi. Vas-y, arrête, tu perds, qu'est-ce que tu fais? Viens. Hubert, viens, arrête, putain, vas-y, viens. Qu'est-ce qui lui arrive à Hubert en ce moment, là? Laisse tomber, il réfléchit trop, ce connard. Thank you.
Allô, maman. Oui, Marcel, dis-moi ce que tu veux prendre. Non, j'ai pas le temps, vraiment. Du... Ok, d'accord, je sais jamais. Bonjour, maman. Salut. Comment il va, le petit frère? Oui, ça va. Mais alors, ton autre frangin en tôle, ça a pas l'air d'aller terrible, hein. Qu'est-ce qu'il a encore inventé, Max? Il a écrit, il a besoin de livres scolaires. Donc, on va faire? Je sais pas. Il veut profiter de son temps de tôle pour passer le bac, je crois. Il veut passer le bac alors qu'il a même pas son BEP. Touche pas, mes casseroles. J'ai rien fait. En tout cas, au prix des bouquins, je sais pas comment je vais faire. Hein. Au fait, j'ai l'argent pour le gaz. Ma machine ! Quelle machine ? Comment ça va ? To give you a... Parce que je dis, est-ce qu'on se retrouve pas à faire des machines?